reste quoi? Il me reste. Il n'y a pas de dingo là les... Ah, si, il y en a là. J'irai après. Hop, il me reste ça. C'est par là. Je vais essayer la multi-élimination. Tu peux arrêter celui qui fait ça? Ça me fait pas de... Oh putain! T'as aucune chance! Bon, ça a pas marché, mais maintenant je sais comment ça marche. Déjà ça. Du coup, je vais récupérer un peu tout ce qui se loot ici. Hein. C'est où? Là? Non. Bizarre. Ah, c'est là-dessus. Hop, hop. Voilà. C'est ça, tout est là. Direction la fumée noire. Il y a du clips. T'es méche avec eux, c'est ça? Tiens, ça te prendra. Putain. Vas-y, viens me chercher. C'est pas possible. Sérieux, les clubs, c'est insupportable, quoi. Déjà, je suis désolé, tu mets une balle dans un kleps, il tombe. Il revient pas, même si c'est un bulldog, je suis désolé. Une balle, c'est une balle, quoi. Ouais, tu me diras. 30 balles sur un tigre, hein. C'est pas supposé exister non plus. Bon. Alors, comment est-ce que je vais le faire, étant donné qu'il y a 3000 kleps là-dedans, là. Faudrait que je désactive, là. T'as rien vu. Oh là, je suis mal. Oh là, là c'était mort de chez moi.
Allez, cette fois c'est la bonne. On va réfléchir, utiliser son cerveau, ce sera toujours mieux. Déjà, on va se soigner, voilà. L'objectif c'est de la durer suffisamment pour que je puisse désactiver. De dégâts depuis ici. Si on n'a pas d'autre. C'était pas prévu à la base, mais bon. Maintenant que j'y suis. Romane quoi. Oh, les bandes de cinglés. Radio, elle était pas loin. Elle est juste là.
Le patron, on n'abandonnera pas cet avant-poste. Les jobs qui restent à faire sont sur le panneau d'affichage. On se rend par là. J'ai dit par là, voilà. Ouais. Je m'en doutais que ça marcherait pas. Je vais faire le tour, tant pis. Faire comme ça. Comment j'ai grimpé ça, mais bon. Voilà. Si on regarde le plan, j'ai bientôt fait la moitié. Je vais juste... C'est quoi ça? Plein de petites quêtes différentes. Je vais juste m'occuper de ça avant. En fait non, je vais faire le tour. Je vais faire tous ces pylônes là jusque là. Une fois que j'aurai fait le tour, j'irai à la quête de Batam. Directement juste là. Voilà, voiture bloquée. Bon, bah correction, finalement j'ai la Bad Town. C'est juste à côté. Et vu que j'ai pris la voiture. Cette ville, c'est bien celle de mon rêve. C'est franchement pas la fête. Allez au bar. Allons-y. Ici. On va trouver l'homme en blanc. T'as entendu parler de biquette ? Ta gueule avec ta biquette. Tu racontes toujours cette histoire quand on joue. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Biquette s'est échappé de la prison de Vass, et en moins de deux, il massacrait tout le monde à la machette. Ah, c'est la version la plus nulle que j'ai entendue. T'as ruiné la chute. Va falloir que Hoyt s'en occupe, enfin, si c'est vrai.
Oh, il t'en fera qu'une bouchée de ce type, c'est sûr. Il lui fera bouffer sa propre machette. Il a déjà fait ça avec le patron de la mine. C'est un artiste, Hoyt. Il va trouver autre chose. J'ai pas raison? À quoi il ressemble déjà, ce type? Tapis. Bien joué. Hop, à mon oseille. Mec, il squatte une table. Il fait tapis, il se tire. Il va mener tout droit à qui, c'est Oliver. Il y a moyen de se faire buter dans ce genre d'endroit. Ce type est la clé de ma vision, c'est sûr. A intensifié ses attaques. Pourquoi ? De vieilles rancunes. Oh, il t'offrait un vase argent et pouvoir. Moi, j'aurais fait pareil. Ah, putain de merde. Le mec pas louche pour tous les autres. Qu'est-ce qu'il fait, je qu'est-ce qu'il fait ? Il peut encore pleuvoir. La saison est pas finie. C'est quoi ce joli dessin là-haut? C'est de merde. T'as des renseignements sur tes clients? C'est plus pour l'occasion de tenir un stylo. C'est un peu loin, l'école. Entre merciants. Tu le fais entrer ou il dégage vite fait? Bonne petite pipe, bonne petite belle. Tu veux ou tu veux pas? Pas ce soir, je travaille. Comme tout le monde, chérie. C'est quoi cet air que tu prends? Ça te plaît pas? Je prends aucun air. Je sais ce qu'il veut de ça. Où est mon frère? Hein? Il faut que je suive. J'en ai rien à foutre. Tu me tiens tête? Hein? C'est vraiment comme un Assassin's Creed, quoi. Tu veux des médicaments? Non, je t'en prie! Prends tes médicaments! Tu me mens encore une fois, je te pue. Je déconne pas, je mets un terme à ta petite vie de merde. Ah, la plus chère. Bon, s'en fout. Faut pas que je le lâche. Hey, mon bras. Une dernière cuivre avant de mourir. Hein? C'est tentant. Mais non, merci. Je l'ai revu là. Hein? Je me fais trop vieux. Pour me dire qui vous êtes avant que le C4 qui est sous la table ne vous éparpille sur les murs de la pièce, ça va faire boum. Bon Dieu. J'en doute. 5 secondes. Jason! Jason Brody! Vraiment? Oui. Alors c'est vous, Biquette. C'est si je dis oui ou non que vous faites tout péter? Pragmatique, c'est prometteur. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes un patriote, Brody. Pas le branleur qui se contente de mettre la main sur le cœur en mangeant des hot dogs devant le baseball. Excusez-moi, mais c'est fichtrement trop facile. Non, celui qui tête les miches de Lady Liberté, celui qui, apprenant que son frère est mort au combat, demande d'abord « On a gagné ?» Celui qui se paluche quand il entend le mot « victoire ». Alors, vous êtes un vrai patriote ou vous êtes un de ces 68 arts qui pleurnichent quand il n'y a plus de céréales bio au magasin? Un vrai patriote. Bingo! Voilà ce que je voulais entendre. Ah, au fait, Vince tient votre ami Oliver Carswell, et je me rapproche de Keith Ramsay. Vous leur voulez quoi, au juste? C'est mon boulot de tout savoir sur cette île. Je peux vous aider, mais il faut jouer avec mes règles. Je cherche quelque chose. On peut se rendre des services. D'accord.
Tu l'auras jamais fait péter ton C4. Jason. Vous êtes qui? Une sorte d'espion? Je vais ni le confirmer ni le nier. Non, je me fous de ta gueule. Je travaille pour l'anglais, agent Willis Huntley. Oh, génial. J'ai besoin de l'aide de l'armée et du gouvernement. Pas question. Je suis infiltré et je n'ai aucun contact réel avec l'agent. Vous êtes tout seul ici? Non. Vous rigolez? J'ai toute une équipe. Ils sont sur le terrain, mais ils vont revenir. Ils viennent d'envoyer ces scans qui vont foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Je peux rien vous dire, top secret. Mais croyez-moi, c'est un gros truc. Ouais, sans doute. Et je manque encore d'infos. Prise à la source. Flammenwerfer. Un lance-flamme. Cette merveille est une invention des frisés. Hoyt Volker est le patron d'une vieille connaissance à vous, Vass. On sait également qu'il dirige un gigantesque réseau de trafic d'esclaves dans tout le Pacifique, sans oublier qu'il cultive de la drogue. Si on incendie ses champs et son bateau, il se réfugiera sur cette île. J'aurai ce que je veux et il crachera le morceau à propos de vos amis. Capiche? Je pense que c'est réservé aux Italiens, ce truc. Y a qu'eux qui disent ça. Autant qu'ils repeignent toujours tout en doré, on se comprend? Ah, au fait, voilà le jouet. Oh, j'ai bien hâte d'essayer ce truc. C'est tout ce que je voulais entendre. Et souviens-toi du bateau. Ok, compris. Je vous fais confiance pour les infos sur Hoyt. Ouais, tu le connais plus à peine 3 secondes, il voulait te faire sauter la gueule et tu lui fais confiance comme ça juste parce que t'as vu un drapeau. Et des cassettes. VHS en plus. À l'ancienne. Ok, on s'en va. Je jouerai son jeu tant que ça m'aidera à retrouver mes amis. Pas faux. Dennis en sait peut-être plus sur Hoyt. Allô, Dennis? Jason, tu as trouvé quoi? La vision m'a conduit à l'homme en blanc. Une sorte d'agent secret. Marrant. J'ai jamais entendu parler de ce type sur l'île. Non, ouais. L'île est secret. Il m'a parlé du patron de Vass. Hoyt. Hoyt Volker. N'approche pas de lui, Jason. Tu penses que Vass est fou? Mais le mal qui ronge cette île provient de Hoyt. Il contrôle complètement l'esprit de Vass. C'est lui qui tire les ficelles. Wow. Ok, je serai prudent. Serait-ce pas là une base ennemie? Yes.